Là et la journée se poursuit pour cette deuxième édition de cette grande manifestation sur les épaules des géants. Vous avez peut-être déjà assisté à certaines des présentations qui vous ont été faites ce matin ou cet après-midi. Il y en aura d'autres hein, cet après-midi, demain matin, demain après-midi, avec des scientifiques qui viendront sur scène le matin notamment. Rendez-vous avec un cuisinier étoilé, un chef cuisinier étoilé, Thierry Marx, et un physico-chimiste, Raphaël Aumont, qui nous feront des démonstrations sur scène et qui nous parleront un peu de la cuisine de demain et comment on réfléchit, par exemple, à l'association de Nouvelles Saveurs. Il y aura aussi des visites jusqu'à la planète Mars avec deux astrophysiciens qui nous diront ce qu'on a découvert sur Mars et ce qu'on espère découvrir un jour, la vie peut-être. Mais tout de suite, nous allons partir avec un astrophysicien, là aussi, pour un grand voyage dans l'espace et le temps. On va commencer au Big Bang, on va aller jusqu'aux origines de la vie en passant par la naissance et la mort des étoiles. Cet astrophysicien se nomme Éric Lagadec. Il est astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. C'est un spécialiste de la mort des étoiles, plus particulièrement. Je vous demande de l'accueillir. Merci. Bonsoir. Déjà, je tenais à remercier vraiment les personnes qui ont organisé ces journées, parce que c'est vraiment impressionnant de voir tant de personnes venir pour les sciences, et pour moi, c'est important. Donc, merci à tout le monde et merci de m'avoir invité. Alors, moi, je vais vous faire un petit voyage. Il y a de l'écho, mais je ne sais pas si c'est fait exprès. Alors, l'idée, je pense qu'on va commencer, on va interagir, parce que ça fait deux jours que je travaille, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui travaille, que vous avez travaillé aussi. Donc, la conférence, je vois des gens qui ont peur déjà, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire peur. Qui a déjà entendu parler de « nous sommes des poussières d'étoiles » ? Donc ça vous dit vaguement quelque chose ? Et si je vous dis « nous sommes des poussières d'étoiles », vous pensez à qui ? Hubert Reeves, ok. Bon, on va voir si vous pensez à d'autres personnes à la fin de la conférence. Juste pour vous commencer, déjà vous allez voir que j'aime bien montrer mes photos de vacances. Non, l'idée, c'est que cette vidéo qui est assez extraordinaire, ce qu'on voit, c'est des images satellites de la Terre où on voit notre planète qui respire. Donc pendant l'hiver, on voit vraiment les calottes glaciaires qui augmentent. Pendant l'été, la forêt qui grandit à l'équateur. Donc on voit la respiration de notre planète. Quand on regarde toutes les photos autour, ce qu'on voit, c'est que sur cette planète, il y a une grande diversité. Une diversité de faune, de flore. Et la question qu'on va se poser, c'est d'où vient cette diversité sur la planète Terre ? Et j'espère que c'est là que vous avez le temps, parce que pour répondre à cette question, il va falloir faire un petit voyage dans le temps de 13,8 milliards d'années. Donc j'espère que vous avez le temps, mais comme la personne avant moi a parlé un peu longtemps, on n'aura que 40 minutes pour faire 13,8 milliards d'années, donc je ferai quelques raccourcis, bien évidemment. Donc ce qu'on voit ici, c'est la plus vieille image de l'univers. Pour l'instant, ça vous semble peut-être obscur, mais je vous expliquais tout à l'heure ce que c'est. Comment on sait ça ? Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, donc aujourd'hui, si je vous parle du Big Bang, de galaxies, ça vous semble évident, c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps. Mais dans les années 1920, on ne savait pas que ça existait. On ne savait pas que l'univers avait un début, on ne savait même pas que des galaxies existaient. Donc tout a commencé donc à la fin des années 20, notamment avec des observations de l'astronome américain Hubble, avec son télescope ici, qui se rend compte que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Donc toutes les galaxies s'éloignent de nous, on réfléchit, est-ce que ça veut dire qu'on est le centre ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle ? Non, il n'y a pas de Belges. Donc... Parce qu'en fait, ils ne sont pas si cons que ça. C'est un... Bon, visiblement, j'espère qu'ils ne sont pas susceptibles de toute façon. En fait, sans jeu de mots, en général, quand je veux dire sans jeu de mots, c'est qu'il y en aura un, mais pas forcément bon, que je n'assume pas complètement. Le père de la théorie du Big Bang, c'est un abbé. C'est l'abbé Lemaître, qui est un Belge, qui se dit, bah, si l'univers est en expansion, accrochez-vous, donc il grandit, ça veut dire qu'hier, il était plus petit qu'aujourd'hui. Ça semble con comme ça. Hein. Mais ce n'est pas si con que ça. C'est-à-dire que si on revient en arrière, on arrive à un instant de création, à un début où l'univers entier est contenu dans un point infiniment petit, avec une température infiniment grande. Un début qui a lieu à peu près il y a 13,8 milliards d'années. Pour l'information, cette idée n'est pas acceptée au départ. Et à la BBC, il y a un débat radio, il y a un astronome britannique qui se moque clairement de l'abbé Lemaître, et qui lui dit « ouais, c'est comme s'il y avait eu un gros bang ». Et donc le mot « Big Bang » vient de quelqu'un qui se moque de l'abbé Lemaître. Et j'espère toujours qu'il n'y a pas de Belges susceptibles dans la salle, parce que je me suis retrouvé à la télé belge il y a quelques mois, où il disait « on voudrait fêter l'abbé Lemaître », parce que c'est lui qui a découvert le Big Bang.
Et du coup, ils ont décidé une date pour fêter ça. Ils ont choisi le jour où le mot Big Bang a été inventé. Je sais pas si c'est une idée, c'est un peu une idée étonnante de choisir le jour pour honorer quelqu'un, le jour où on s'est foutu de sa gueule. Je sais pas, mais c'est ce qu'ils ont choisi en tout cas. En tout cas, l'abbé Lemaître, c'est lui qui a découvert que l'univers est en expansion et qui a pu comprendre tout ça. On va faire un grand bond en avant parce que j'ai que 40 minutes pour faire 13,8 milliards d'années. Donc, on a le Big Bang il y a 13,8 milliards d'années, l'univers est en expansion depuis, il se refroidit, il grandit, il se refroidit. Au bout de 379 000 ans, il commence à faire assez froid, je mets des guillemets quand même parce qu'il fait 5000 degrés. Il fait assez froid, on va former les premiers atomes. Si je vous dis que les premiers atomes qu'on forme, c'est de l'hydrogène et de l'hélium, déjà je vais vous le dire 15 fois, donc j'espère que vous allez le retenir. Mais qu'est-ce que vous pensez quand je vous dis hydrogène et hélium? Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, ces atomes? Il y a quelqu'un qui m'a fait ça, ouais. C'est les plus petits atomes qui existent. Et retenez-le, on va voir tout à l'heure pourquoi. Donc, on revient à cette image, donc, qui est la plus vieille image obtenue de l'univers. Là, mais cette fois-ci, vous allez comprendre. Tout à l'heure, je vous l'ai montré en vous le disant. Maintenant, vous allez voir en fait, ce qui se passe là. Après le Big Bang, donc, on a une soupe d'hydrogène et d'hélium avec quelques grumeaux. Et en gros, il n'y a que ça. Mais la lumière ne peut pas sortir. Pourquoi? L'univers est tellement dense, en fait, qu'il fait tellement chaud que les atomes... Vous savez comment ça marche un atome? On va prendre de l'hydrogène, on a un noyau et autour, on a un électron. Ben, quand il fait chaud, l'électron est arraché. Donc, on a un nuage d'électrons. Le nuage d'électrons, il va agir comme un brouillard. Est-ce que vous savez comment ça marche, le brouillard? Enfin, moi, je viens du Finistère. Je pense qu'ici, vous avez déjà vu le brouillard aussi. Moi, j'en ai déjà vu. Je pense que j'ai vu les quatre saisons en une heure cet après-midi. Je pense que le brouillard, vous avez déjà vu. Donc, le brouillard, qu'est-ce qui se passe? Il y a des particules d'eau dans l'atmosphère. Si vous mettez les feux de votre voiture, la lumière va interagir en permanence avec les gouttes d'eau. Ça ne traverse pas. Ben là, ce qu'on a, c'est un brouillard qui n'est pas un brouillard d'eau, mais un brouillard d'électrons. Donc, la lumière ne peut pas s'échapper. L'univers est en expansion. Il va se refroidir, ce qui veut dire que les électrons vont pouvoir enfin s'attacher aux atomes. Et cela permet à la première lumière d'apparaître parce qu'il n'y a plus ce brouillard. Donc cette lumière, elle a été émise 379 000 ans après le Big Bang. Elle a été observée dans les années 70 par accident. C'est des gens qui ont obtenu un prix Nobel de physique par hasard. Ils ont mesuré cette radiation qu'il y avait partout dans l'espace, qui est une preuve assez impressionnante du Big Bang. Donc, si vous avez suivi... En gros, quel type d'atomes, si vous voyez le tableau de Mendeleïev ici, quel type d'atomes ont été formés après le Big Bang? Il y en a au moins deux, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que je vais le répéter 10 fois, 12 fois, 13 fois, jusqu'à ce que ça rentre. J'ai pas entendu? On dirait un truc où les gens parlent, c'est des alcooliques anonymes, répétez après moi. Donc la question, en fait, je viens de Brest, vous êtes au Havre, peut-être qu'il y a un lien entre ça, mais c'est... Vous regardez, c'est les atomes les plus petits qui sont dans ce tableau de Mendeleïev. La question qu'on va se poser, c'est d'où viennent tous les autres atomes, sachant que la conférence s'appelle « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Donc si je vous pose la question, je pense que vous avez une idée d'où ça vient. Ça vient des étoiles. Mais on va comprendre comment ces atomes sont formés dans les étoiles. Pour ça, on va continuer notre voyage. On va arriver 500 millions d'années après le Big Bang. On va former des galaxies, notamment la nôtre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a d'immenses nuages de gaz et de poussière qui sont formés d'hydrogène et d'hélium, donc comme je vous ai dit, sous l'effet de la gravitation, ils vont s'attirer, ils vont grossir, ça va former des structures de plus en plus grosses, et on va avoir la formation de galaxies, comme notre Voie lactée, qui aujourd'hui contient des centaines de milliards d'étoiles. C'est une question que j'aime bien poser chaque fois que je vais quelque part, parce que c'est important pour moi de savoir si les gens sont complètement déconnectés du ciel ou pas. Qui ici a déjà vu la Voie lactée? Qui n'a jamais vu la Voie lactée? Et qui n'a pas levé la main? C'est bon, tout le monde suit maintenant? Donc la Voie lactée, j'imagine que vous le savez, mais il faut s'imaginer que c'est une sorte de disque plus ou moins plat comme ça, et qui, comme on est dedans, on le voit par la tranche. Donc si vous allez à un endroit où le ciel est clair, où il n'y a pas de pollution lumineuse, vous pouvez voir la Voie lactée dans notre galaxie. Et c'est assez impressionnant, et j'invite toutes les personnes qui ont levé la main la deuxième et la troisième fois à essayer de le voir au moins une fois. Donc, on a le Big Bang, après on va former les premières galaxies, avec la gravitation qui va faire s'attirer des grands nuages de gaz. Ensuite, on va former les premières étoiles. Comment ça se passe? Encore une fois, c'est de la gravitation. On a un immense nuage de gaz et de poussière, qui fait plusieurs années-lumière. Sous l'effet de la gravitation, au centre,
toutes les particules vont se rapprocher. La gravitation, j'aime bien expliquer, c'est ce qui empêche mes étudiants de se lever le vendredi matin. Donc, c'est quelque chose qui vraiment qui attire les... Je ne sais pas si les étudiants en c'est pareil aussi. Donc, au centre, on a une étoile qui va se former, les atomes vont se rapprocher, ça va faire des réactions nucléaires, je vous l'expliquais tout à l'heure. Autour, on va avoir un nuage, un disque formé de gaz et de poussière. Dans ce disque, il va y avoir des petits grumeaux qui vont se former. Et ces grumeaux vont devenir de plus en plus gros. Ils vont former des... Autour des étoiles, ils vont former des... Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez, ça c'est bien sûr une simulation par ordinateur, c'est quelque chose qui était pensé depuis des siècles, mais c'était jusqu'à présent qu'une vue par ordinateur, des calculs, on va voir que ces planètes vont se former, et là où il y a des planètes, il y a des sortes de sillons. Donc a priori, si des planètes se forment, on devrait observer des sillons dans les disques. Gardez ça en tête. Donc ce que je vous montre jusqu'à présent, c'était plus ou moins des visions de l'esprit ou en faisant un peu de physique. Moi, je suis un astronome observateur, je pense que pour vérifier nos modèles, c'est important de faire des observations. Vous êtes d'accord? C'est bien beau de prévoir des choses, mais le mieux, c'est de l'observer. Il se trouve qu'on peut observer des endroits où des étoiles se forment. Là, par exemple, on va aller dans la nébuleuse de la Carène, qui est quelque chose qui est observable dans l'hémisphère sud. Donc, dans le disque de la galaxie, on a beaucoup de gaz et de poussière. Et c'est là où il y a ce gaz et cette poussière que des étoiles vont se former, parce que justement, sous l'effet de leur masse, ils vont s'effondrer et former ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on a la fameuse nébuleuse de la Carène. Et c'est assez extraordinaire, aujourd'hui, avec nos télescopes, on est capable d'observer ça. Donc, vous voyez, ça, c'est des régions de formation d'étoiles. Il y a des centaines, des milliers d'étoiles qui sont en train de se former dans cette région qui fait plusieurs dizaines d'années-lumière de large. Avec des télescopes, comme le télescope Hubble, on peut voir des détails assez ahurissants sur la formation des étoiles. Et en plus, c'est joli. En général, quand je montre ça, les gens font « waouh, je peux essayer ». Donc, en plus, c'est joli. C'est beau, la spontanéité, en plus. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment donc, quelque chose qui fait 3-4 années-lumière de large. Et en haut, par exemple, on a une étoile qui se forme et qui éjecte de la matière. C'est ce qui fait ces jets qu'on observe. C'est assez spectaculaire. Cette région de formation d'étoiles a aussi été observée récemment par le télescope James Webb. Donc, celle que je vous montre ici, c'est le télescope Hubble. James Webb, c'est vraiment extraordinaire. Ce qu'on voit là, c'est en haut, il y a des étoiles qui viennent de se former. Et ces étoiles, elles radient. Donc, il y a le rayonnement de l'étoile va un petit peu pousser tout le gaz qui est autour, un petit peu comme s'il y avait un chasse-neige. Vous imaginez le chasse-neige qui avance et qui prend toute la neige avec lui. Mais là, ce que font ces étoiles, c'est qu'elles poussent tout le gaz et la poussière et elles créent ce qu'on appelle les falaises cosmiques qu'on peut voir ici dans la Carène. Et là, le nuage de gaz va s'effondrer, on va former de nouvelles étoiles. Et le James Webb a vraiment fourni des images extraordinaires de ça. Donc on voit des images qui esthétiquement sont magnifiques. Cette image, franchement, quand je l'ai vue pour la première fois, elle est super belle et en plus, elle nous apprend comment les étoiles se forment. Celle-ci aussi extraordinaire, c'est les piliers de la création. Donc là, on est à plus de 6000 années-lumière, on a encore quelque chose qui fait 3-4 années-lumière de long. Le télescope James Webb fonctionne dans l'infrarouge, donc il permet d'aller au travers de la poussière qui nous empêche de voir les étoiles se former. Et du coup, on comprend beaucoup mieux comment ces étoiles se forment. Et à droite, on peut même voir, en observant à des longueurs d'onde un peu plus grandes, on voit même la poussière, on voit cette fois-ci l'émission de la poussière, ça fait quelque chose. Pour l'information, c'était une image qu'avait sortie la NASA pour Halloween. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont choisi ces couleurs. Mais il y a des structures assez étonnantes. D'ailleurs, si on regarde bien, il y en a même qui sont très, très étonnantes dans ce truc-là. Je ne sais pas si vous arrivez à expliquer ce qu'on voit là. Avec des collègues, on a appelé ça la nébuleuse du doigt du milieu. C'est le nom en anglais. C'était un message de l'univers. Donc, si vous avez des explications, on est plusieurs à réfléchir. On n'a pas trouvé d'explication, mais on est preneurs, en tout cas. Donc, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui m'a proposé que l'explication, ça s'appelait, c'était la nébuleuse 49-3. Donc, je ne sais pas trop. Et ce qui est aussi intéressant avec ces images, je pense que c'est, chaque fois que je les montre, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment bien s'imaginer, comme quand on regarde dans les nuages, dans les nébuleuses, on voit des formes assez étonnantes. Et il y a celles-ci qui sont assez surprenantes. Sur mon compte Twitter, j'avais posté ces images en demandant aux gens, qu'est-ce que vous voyez? Parce que moi, je vois, par exemple, je vois un chien, je vois d'autres choses. Et il y a un dessinateur qui s'appelle Boulet, je ne sais pas si vous connaissez, qui est assez doué, qui m'a, en 5 minutes, il m'a dit, moi, je vois ça. C'est pas mal, hein? J'ai essayé de le faire aussi, mais comme j'ai aucun talent, c'était moins beau, donc je préfère montrer le travail des autres. Donc là, ce qu'on voit, c'est les endroits où se forment les étoiles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer vraiment de comprendre comment se forment ces étoiles en ayant des observations avec des très grandes résolutions qui permettent de voir des détails. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que quand les étoiles se formaient, autour, il y allait avoir des disques où allaient se former les planètes. Et dans ces disques, il y allait avoir des sillons, parce que c'est là où se forment les planètes, ça fait des sillons dans le gaz et la poussière. Vous vous rappelez ?
Enfin, si vous vous rappelez pas, je viens de vous le redire, donc ça devrait aller comme... Ben, il se trouve que depuis 2014, on a installé un instrument qui s'appelle Sphere sur le Very Large Telescope au Chili, donc dans le désert d'Atacama. Et voici, ça, tout, à gauche, ce sont toutes des images qu'on a obtenues avec cet instrument, et c'est assez extraordinaire, parce que là, on est en train de voir vraiment ces disques où se forment ces planètes. C'est vraiment une grande révolution, c'est-à-dire que ça fait des siècles qu'on imagine que les étoiles se forment comme ça, les planètes dans des disques autour. Là, on voit ces disques, on voit même très bien les sillons. Et en haut, là, vous voyez le petit point ? C'est la première image directe d'une planète qui se forme. Vous imaginez la réaction de notre équipe le jour où on a fait ces observations, qu'on a vu, waouh, il y a un point où on a vérifié 2, 3, 4, 5 fois, puis il revenait à chaque fois. Et donc là, on a vu une planète qui se formait, et avec d'autres observations, en fait, on a même réussi à voir qu'autour de cette planète, il y avait une lune qui est en train de se former. Donc on a un disque autour d'une étoile qui se forme, on a une planète dans ce disque, et autour de cette planète, on a un disque où on va avoir une lune qui va se former. Donc on est passé de essayer de voir des étoiles qui se forment, et on arrive à voir des planètes qui se forment, on arrive à voir des lunes qui se forment autour de ces planètes. Et je trouve que c'est extraordinaire, je pense qu'on a vraiment la chance, je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'être une génération qui est en train d'apprendre énormément de choses nouvelles sur l'origine de la vie, sur l'origine du système solaire. Donc ce qui est rigolo en plus, c'est qu'en faisant des observations aujourd'hui d'objets lointains, on peut voir comment était le système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Donc voilà, on a formé le Big Bang, on a formé de l'hydrogène et de... C'est bon, le club des Havrais anonymes marche bien. Après, on a formé la galaxie, on a formé des étoiles, des planètes. Mais si vous vous rappelez bien, je pense que je l'ai dit une ou deux fois, le Big Bang n'a formé que l'hydrogène et l'hélium. Ça, vous êtes obligé de le croire, je viens de vous le dire. Il faut me croire. Mais du coup, comment on peut former une planète comme la Terre ? Si vous regardez la Terre, elle est composée à 93% de fer, d'oxygène, de silicium, de magnésium. Si vous prenez juste la croûte terrestre, elle est faite en grande partie de silicium, d'oxygène et d'aluminium. Si vous faites des mélanges de tout ça, ça va ressembler plus ou moins à du sable. Donc, c'est compliqué, on n'a que l'hydrogène et l'hélium. En plus, si on veut regarder les êtres humains, c'est fait en grande partie, j'aime bien dire que même les Bretons sont faits en grande partie d'eau. Donc là, il faut de l'oxygène. La vie, elle est basée sur le carbone, il faut du carbone, donc il va falloir former ces éléments. Donc la solution pour former ces éléments, sachant encore une fois que le nom de la conférence, c'est « Nous sommes des poussières d'étoiles », c'est les étoiles. Donc pourquoi les étoiles brillent ? Les étoiles brillent parce que quelque chose les chauffe. Et juste pour information, le Soleil, il produit une énergie de 3,846 10 puissance 26 watts. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont à peu près mon âge ici, mais pour moi, quand on parle de watts, de gigawatts, je pense à ça. Dans Retour vers le futur, on a beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il fallait pour Doc, pour voyager dans le futur. Donc on a une énorme source d'énergie qui est connue depuis seulement 100 ans. Et les sources d'énergie du Soleil, ce sont des réactions nucléaires. Je pense que Roland l'a expliqué, mais je vais le faire quand même, parce qu'il y a des gens qui n'étaient peut-être pas là tout à l'heure. Le Soleil, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est formé suite à l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière. Ce nuage de gaz et de poussière, il s'effondre, les atomes vont se rapprocher, ils vont devenir tellement proches qu'ils vont fusionner. On va prendre des petits atomes d'hydrogène, on va en prendre 4, ça va former un atome d'hélium. E égale MC2, est-ce que ça dit... Qui a déjà entendu parler de E égale MC2 ? Qui peut me l'expliquer ? Là, les mains descendent beaucoup plus vite que tout à l'heure. Donc E égale MC2, une particule qui a une masse M a potentiellement une énergie E qui est égale à sa masse fois la vitesse de la lumière au carré. Le Soleil, chaque seconde, il brûle 600 millions de tonnes d'hydrogène. Ça forme 596 millions de tonnes d'hélium. Faites un tout petit peu de maths, 600 moins 596, on perd 4 millions de tonnes chaque seconde. Ça, c'est transformé en énergie. Donc, la source d'énergie du Soleil, c'est vraiment cette transformation. On a l'équivalent de 10 milliards de bombes à hydrogène chaque seconde. Vous êtes prêts ? J'ai une image assez extraordinaire à vous montrer après. C'est une image du Soleil en Bretagne, donc on peut la dater, ça date d'avant 78. C'est juste pour vous montrer que le Soleil, en fait, c'est une étoile qui est sur ce qu'on appelle aujourd'hui la séquence principale, si vous voulez placer un mot en soirée, si vous faites chier avec vos amis. C'est ce que font les étoiles pendant la plus grande partie de leur vie. Elles fusionnent de l'hydrogène en hélium. C'est la plus longue période de l'évolution d'une étoile. Ça dure 90% de la vie d'une étoile. C'est ce qu'elles font tranquillement. Elles brûlent de l'hydrogène en hélium. Par contre, un truc assez contre-intuitif, c'est que plus une étoile est massive, moins elle vit longtemps. On aurait tendance à dire, si on est une étoile plus massive, on a un plus grand réservoir d'énergie, on devrait durer plus longtemps. Je pense que si vous avez une plus grosse voiture, vous aurez aussi un plus gros réservoir, mais en général, elle sera plus puissante, elle utilisera plus d'énergie, ça ne marchera pas forcément. Donc c'est la même chose, c'est quand on a
une étoile très massive, elle va brûler son carburant plus rapidement, donc elle va mourir plus rapidement. Vous vous êtes peut-être rendu compte que quand je voulais vraiment que vous reteniez quelque chose, j'allais vous le montrer plusieurs fois. C'est clair, hydrogène, hélium, tout ça. Ben là, vous allez voir, ce truc-là, je vais vous le montrer 4-5 fois aussi. Je pense que c'est, si vous avez compris ça, vous avez tout compris au cycle de la matière dans une galaxie. Pour l'instant, je vois des gens qui se demandent de quoi ils me parlent, mais ça va être assez clair rapidement. Les étoiles se forment dans le milieu interstellaire, donc on a du gaz et de la poussière. Depuis le Big Bang, c'est de l'hydrogène et de l'hélium, principalement. À droite, là je vous fais le résumé rapide, comme ça ceux qui veulent dormir pendant 2 minutes, après je vous expliquerai en détail, mais au moins vous aurez la grande histoire. Donc les étoiles massives, elles vont devenir des supergéantes rouges, puis se poser en supernova, et toute la matière va ensuite repartir dans le milieu interstellaire. De l'autre côté, les étoiles vont devenir des géantes rouges, des AGB, puis des nébuleuses planétaires, pour ensuite donner une naine blanche, et toute la matière va repartir dans le milieu interstellaire, puis on est reparti pour un tour. Donc on a vraiment un cycle, on forme des étoiles, elles meurent, elles remettent tout ce qu'elles ont créé, tout ce qu'elles ont expulsé dans le milieu interstellaire, et c'est reparti. Je crois que c'est le dernier truc hyper important. Après, enfin, si vous voulez vraiment comprendre la vie des étoiles, cette fois-ci, il faut comprendre ça. Ce schéma vous montre comment ça fonctionne une étoile. Elle vous montre aussi que je ne suis pas très bon en dessin. Alors une étoile, il faut savoir que c'est un combat permanent entre deux forces. La gravité qui va pousser vers le centre, donc la gravité fait que les atomes se rapprochent. Au centre, on a des réactions nucléaires, ça va créer une force de pression nucléaire qui va compenser la gravité. Donc on aura ce combat permanent entre les deux forces. Et du coup, maintenant que vous avez toutes les clés en main, on va voir comment évolue une étoile. Tout le monde est prêt ? De toute façon, si vous dites non, j'y vais quand même, mais on va assumer que c'est pas que vous êtes prêts. Donc là, a priori, c'est le seul truc avec des graphiques un tout petit peu compliqués, mais je suis sûr que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Il faut savoir que donc, une étoile comme le Soleil transforme de l'hydrogène en hélium dans son cœur. Là, je vois quelqu'un qui baille au premier rang, accrochez-vous, ça va passer. Donc ce qu'on voit en haut, c'est qu'en abscisse, on a la distance au centre de l'étoile. Donc quand on est à zéro, on est au cœur de l'étoile. Quand on est tout à droite, on est à la surface. Ça veut dire que quand l'étoile est née, on avait à peu près 95% d'hydrogène et 5% d'hélium, et c'était la même répartition dans le cœur de l'étoile et à la surface. C'est clair pour tout le monde ? L'étoile transforme de l'hydrogène en hélium dans son cœur. Ça veut dire que dans le cœur, il y a de plus en plus d'hélium et de moins en moins d'hydrogène. C'est ce qu'on voit au milieu. C'est le cas du Soleil actuellement. Donc le Soleil, ça fait 5 milliards d'années qu'il transforme de l'hydrogène en hélium. On a de plus en plus d'hélium et de moins en moins d'hydrogène. Dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus d'hélium, plus d'hydrogène. On aura brûlé tout l'hydrogène, il n'y aura plus que de l'hélium. Alors vous vous rappelez du petit dessin que je vous ai montré là ? Qu'est-ce qui va arriver à votre avis ? Je vois des gens qui font ça. En fait, il n'y aura plus de réaction nucléaire, donc l'étoile va se compresser. L'étoile se contracte, elle va se réchauffer, on va commencer à brûler de l'hélium pour former du carbone. Donc l'hélium qu'il y a au centre, il va être transformé. Les étoiles, ce qui est intéressant, c'est que les étoiles comme le Soleil, elles vont s'arrêter là. Elles n'auront pas assez de force pour brûler le carbone. Donc le carbone qui est essentiel à la vie, il est formé par ces étoiles. Les étoiles massives, elles vont continuer, elles vont former des éléments de plus en plus lourds, et ça va aller de plus en plus vite. Donc plus les éléments sont lourds, plus il faudra une grande source d'énergie, plus il faudra que ce soit chaud. Et plus ça va être rapide. Par exemple, regardez une étoile qui fait 20 fois la masse du Soleil, elle va brûler de l'hydrogène pendant 7 millions d'années. Le silicium, ça va durer un jour. Vous voyez, vraiment, les choses vont de plus en plus vite. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est une étoile dont le cœur est en structure d'oignon, avec à la périphérie les éléments les plus légers, et dans le cœur les éléments les plus lourds. Parce qu'à chaque fois, dans le cœur, c'est là qu'on crée les nouveaux éléments. C'est clair ? Il y a encore quelques personnes qui baillent, mais j'ai essayé de vous rattraper quand même. Ce qui est intéressant là, c'est que vous rappelez, vous avez parlé de réactions nucléaires, donc ce qu'on fait dans les étoiles, c'est qu'on fait de la fusion, on prend des petits atomes qui deviennent plus grands. Dans les centrales nucléaires, ici actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des grands atomes, on les casse, ça donne de l'énergie, c'est la fission. Ben, si vous arrivez au fer, il y a une sorte de coude là, le fer, pour faire de la fusion du fer, il faudrait plus d'énergie que ça en rapporte. Donc quand l'étoile arrive au fer, elle ne pourra pas fusionner le fer. Donc tout va s'arrêter. La fusion s'arrête au fer, la gravité l'emporte par chaos. Donc l'étoile, elle vit depuis des millions d'années. En une seconde, le cœur s'effondre. Imaginez, une seconde, l'étoile, elle disparaît. Tout la matière va rebondir sur le centre, ça va former une étoile à neutrons, c'est quelque chose de très très dense.
et on va former beaucoup d'éléments lourds, c'est ce qu'on appelle une supernova. Donc là, je vous ai parlé de millions, de milliards d'années, c'est difficile. Imaginons maintenant qu'une étoile massive vive 24 heures, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Elle va durer pendant 22h24, elle va transformer l'hydrogène en hélium. 1h35, donc vous voyez, il ne reste plus beaucoup de temps après, elle n'aura fait que deux éléments. Et après, tout va aller vite. Le carbone, ça va durer 6 secondes 99, le néon 6 millisecondes, le silicium 0,03 millisecondes. C'est juste pour vous montrer que ça va vraiment de plus en plus vite, et on arrive à la fin, on a une supernova. Là, on voit, c'est une supernova qui a été observée en 1054, depuis le gaz en expansion. Et ce qu'on voit là, c'est la galaxie qui s'enrichit en nouveaux éléments. Donc il y a des éléments qui ont été créés au cours de l'évolution de l'étoile, maintenant ils repartent dans la galaxie, et ils vont servir ensuite à former de nouvelles étoiles, et des planètes peut-être. Vous voyez l'idée? Donc là, on a fait le côté droit, on a créé de l'oxygène, du fer, du magnésium, du silicium, tout ça repart dans le milieu interstellaire. Les étoiles de faible masse qui sont à gauche, elles n'auront pas de fusion du carbone. Donc elles auront créé des éléments comme le carbone, mais ça va rester dans leur cœur, elles vont devenir des géantes rouges, et c'est donc la principale source de carbone et de poussière dans l'univers. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le dernier graphique un peu compliqué, il en reste un. C'est un graphique que j'avais fait pour ma thèse et que j'ai montré 150 000 fois depuis, je pense. Pourquoi je le montre tout le temps? C'est pour montrer que c'est un truc hyper important pour moi. C'est que là, à gauche, vous avez une coupe de ces étoiles en fin de vie, en fonction de leur masse, et à droite, en fonction de leur rayon. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose pour l'instant. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un cœur de carbone et d'oxygène qui fait à peu près la moitié de la masse de l'étoile. C'est ce qu'on voit à gauche en bleu. Mais ce cœur, il est tout petit, on ne le voit même pas à droite. Donc on a créé des nouveaux éléments, mais ils sont au cœur de l'étoile. Si on veut que le carbone dont on a besoin pour la vie parte dans le milieu interstellaire pour former des étoiles, il va falloir, dans un premier temps, faire remonter ce carbone à la surface, et dans un deuxième temps, le faire partir. Ça semble simple comme ça, mais ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, qu'on essaie de comprendre ça. Et il y a quelques avancées. Ça, c'est quelque chose de très récent. C'est des collègues qui ont fait des simulations. Ça, c'est ce à quoi ressemblent les étoiles comme le Soleil en fin de vie. Dans 5 milliards d'années, c'est ce qui devrait arriver. Donc on a vraiment d'immenses cellules de convection. Donc la convection, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous faites cuire des pâtes. Il y a des bulles d'eau qui montent, qui redescendent. Je pense, qui était étudiant ici? Donc ça, je pense que c'est bon, la convection, vous connaissez. Ben, ces cellules de convection vont faire remonter de la matière. Donc déjà, les atomes qui ont été créés dans le centre, avec la convection, ils vont remonter à la surface. Donc déjà, on les a fait remonter. Maintenant, il va falloir les faire partir. Ce qui se passe, c'est que par moment, on va avoir ce qu'on appelle des ondes de choc, donc la matière va être éjectée, elle va rentrer en interaction avec ce qu'il y a derrière, elle va devenir beaucoup plus dense et plus froide. En devenant plus dense et plus froide, elle va se condenser, on va former de la... Sachant que le titre de la conférence, c'est « poussière d'étoiles ». Vous aviez le mot, hein? Donc c'est comme ça qu'on forme de la poussière d'étoiles. Je pense que tout le monde avait entendu dire « nous sommes des poussières d'étoiles », mais je ne suis pas sûr que vous saviez comment on formait de la poussière d'étoiles. Donc c'est ce gaz qui est éjecté, et qui, sous l'effet de choc, va devenir plus dense et plus froid. Vous prenez du gaz froid, vous le refroidissez, vous le rendez plus dense, il devient solide. On forme de la poussière d'étoiles, et pourquoi cette poussière est hyper importante? Cette poussière va absorber le rayonnement d'étoiles, et ça va lui donner une accélération à la poussière, ce qui va faire partir la matière. Imaginez, il y a un grain de poussière, chaque fois qu'il reçoit un grain de lumière, il va y avoir une impulsion, et ça va faire partir la matière. Et pourquoi ça c'est important? Le carbone dont on a besoin, qui est nécessaire à la vie, il a été formé par réaction nucléaire, la convection l'a fait remonter, et maintenant la poussière qui se forme la fait partir. Et c'est ça qui va faire que le carbone va pouvoir enrichir la galaxie. Parce que si on formait du carbone mais qu'il restait dans les étoiles, on ne pourrait pas en faire grand-chose. Donc voilà comment la matière est éjectée, ça enrichit la galaxie en atomes nouveaux, et on va pouvoir enfin former des planètes. Et pour information, tout à l'heure, tout le monde m'a dit que c'était Hubert Reeves pour... les poussières d'étoiles, il faut savoir que le fait qu'on sache que les éléments autres que l'hydrogène et l'hélium sont formés dans les étoiles, ça vient ni de Hubert Reeves ni de Carl Sagan, mais de Margaret Burbidge. Parce qu'en fait, en général, on a tendance à oublier les femmes en science. On a tendance que les barbus avec des lunettes, on les écoute plus, mais les femmes font souvent des choses assez excellentes. Et Margaret Burbidge, en 1957, elle a fait ses travaux vraiment exceptionnels. C'est un article qui a révolutionné nos connaissances. On n'a pas beaucoup avancé depuis, d'ailleurs. Et c'est elle qui a montré que nous étions des poussières d'étoiles, et je pense que c'est important de réhabiliter cette personne, même si j'adore Hubert et Carl Sagan fait beaucoup de choses bien aussi. Pour continuer, là, je vais me transformer en astrologue plutôt qu'en astronome, je vais vous montrer le futur du Soleil.
Donc dans 5 milliards d'années, c'est ce qui va se passer. Ça, c'est des images obtenues par le télescope Hubble. Et j'ai des collègues australiens qui ont réussi à mesurer la distance des étoiles en train de mourir. Et pourquoi c'est important? Parce qu'imaginez, regardez mon téléphone, là je pense qu'il apparaît plus grand pour vous au premier rang que pour les personnes au dernier rang. Donc pour connaître la vraie dimension de quelque chose, il faut connaître sa distance. Donc là, ils ont mis au point une technique qui permet de mesurer la distance des étoiles qui meurent. Et comme ça, on peut voir vraiment ce qui se passe au fur et à mesure qu'elles grandissent. On a leur taille réelle. Et donc là, je vous montre le film de ce qui va se passer dans 5 milliards d'années. Et si je me trompe, on revient dans 5 milliards d'années, je vous paye un coup. Je me mouille pas trop. Donc voilà, on a formé, à droite, les étoiles massives ont formé de l'oxygène, du fer, du magnésium, du silicium. Là, on a formé de l'oxygène, du carbone, du fluor, de l'aluminium. Et tout ça repart dans le milieu interstellaire. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous vous rappelez le tableau de Mendeleïev que je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai fait une simplification, parce qu'il y a beaucoup de sources un peu plus compliquées. Mais aujourd'hui, donc on a déjà tous les éléments pour former les planètes et la vie, mais on est capable de regarder sur le tableau de Mendeleïev, de connaître l'origine cosmique de chaque élément. Et si vous n'avez pas de questions à poser, vous pouvez toujours dire, tiens, il y avait quoi dans ce tableau? Comme ça, j'aurais plein de choses à vous dire, mais je vois qu'il reste plus beaucoup de temps, donc on va avancer. Donc on a formé tous les éléments, on sait comment former tous les éléments qu'il y a dans le tableau de Mendeleïev. On revient à cette vidéo, on va former la Terre. Donc comment ça se passe? On a un nuage de gaz sous l'effet de la gravitation. Enfin, ce gaz et cette poussière vont s'effondrer. Dans le centre, on va former une étoile, autour, on va former un disque. Dans ce disque, on va avoir des grumeaux. Ces grumeaux vont former des sillons, ça va former des planètes. Vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit tout à l'heure? Sauf que cette fois-ci, on n'a pas juste de l'hydrogène et de l'hélium, on a tout ce qu'il faut. C'est ce qui s'est passé il y a 4,6 milliards d'années, et ça a formé une planète, notamment, que vous connaissez sûrement bien, qui s'appelle la Terre. Alors comment ça se passe? On a des gros cailloux dans l'espace qui vont rentrer en collision. Chaque fois qu'il y a une collision, la Terre ou la proto-Terre gagne de la chaleur. Tout ce qui est lourd va s'effondrer et partir vers le centre. C'est notamment du fer, ça va créer ce noyau de fer qui tourne sur lui-même, qui crée un champ magnétique qui fait que quand vous avez une boussole, ça indique le nord. Pour certains, ça indique le sud, mais là, en général, ça indique le nord. Donc on continue. La Terre s'est formée, on a ce cœur, on a la surface. Elle gagne de l'énergie encore à chaque fois qu'il y a un impact. Un petit impact, un petit impact. Est-ce qu'il manque quelque chose, là? Il manque plein de choses, mais... Il manque de l'eau, il manque quoi? La Lune. Il y a des gens qui ont déjà vu la conférence ou des gens qui savent qu'il y a une Lune. Ce qui va se passer, c'est que juste après la formation de la Terre, donc là, vous voyez des impacts, c'est des astéroïdes, en gros. Il y a un objet qu'on appelle Theia, qui fera à peu près la taille de Mars, qui est rentré en collision avec la Terre. Donc il y a eu un impact énorme. Donc la matière de la Terre s'est mélangée avec la matière de Theia, ça a formé un disque, et rapidement, ça a formé la Lune. Donc là, on a la Lune, on a la Terre, c'est bon. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'il manquait de l'eau, ce qui n'est pas faux, donc on va continuer. Donc on a la Terre, on a la Lune, la Terre qui se chauffe comme ça, on va avoir une activité volcanique assez forte. Activité volcanique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire relâcher du gaz, notamment de l'eau et du CO2. Il va pleuvoir. S'il pleut, c'est ça qui va former les océans. Donc c'est ce qui s'est passé il y a à peu près 4,6 milliards d'années. Là, je vais vite, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les grandes étapes de l'apparition de la vie. Il y a 4,5, 4,6 milliards d'années, c'est ce qui se passe. Assez rapidement, la vie apparaît. On a les premières cellules, des bactéries. D'ailleurs, les premières traces de vie complexe sont observées sur des choses qui ont 3,1 milliards d'années au Gabon. Mais en gros, 600 millions d'années après la formation de la Terre, la vie apparaît. Ce qui est intéressant, c'est que la vie apparaît très rapidement. La vie apparaît très rapidement, on pourrait penser que la vie apparaît facilement. Donc on sait dire, ben, du coup, il y a peut-être de la vie partout, mais la vie apparaît rapidement, mais elle n'apparaît qu'une fois. Donc il y a une question hyper complexe, c'est est-ce que la vie c'est quelque chose de commun parce que ça apparaît facilement, ou est-ce que c'est rare parce que ça n'est apparu qu'une fois? Est-ce qu'on a vraiment gagné un loto galactique et si on a vraiment la chance d'avoir la vie? On ne sait pas parce qu'on n'a qu'un exemple. Donc on va continuer. Ce qui est intéressant, c'est que donc, les continents se forment. On va avoir une dérive des continents. Là, vous voyez, à 600 millions d'années, les continents se déplacent. Vous reconnaissez peut-être quelques continents. On voit l'Afrique qui s'éloigne de l'Amérique du Sud. On voit l'Inde qui, de manière spectaculaire, va rentrer en collision avec la plaque asiatique. Ça va former l'Himalaya. C'est pour ça qu'on a ces grandes montagnes en Himalaya. Vous allez me dire, pourquoi il parle d'astronomie? Pourquoi il nous montre cette photo de la tectonique des plaques? J'entends. La question, on se pose, c'est d'où vient la diversité sur Terre?
La diversité sur Terre, elle vient en partie du fait que tous les endroits sur Terre ont été à différentes locations suivant le temps, parce que les continents bougent, donc il y a des endroits qui étaient beaucoup plus au sud avant, qui étaient plus froids, qui étaient plus hauts, qui étaient plus... Donc les conditions à un endroit donné sur Terre ont changé à cause de la tectonique des plaques. C'est un truc hyper important pour la diversité. Pourquoi ? La sélection naturelle, c'est que les espèces naturelles, les espèces les plus adaptées, ont le plus de chances de se reproduire dans un certain milieu. Là, vous regardez, il y a des prédateurs, c'est les lapins blancs qui vont se faire bouffer, évidemment. Parce que, les autres sont mieux camouflés. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas la sélection naturelle, j'aime bien l'expliquer pour ma nièce, en fait, c'est que la sélection naturelle explique aux enfants, c'est que les poissons qui ne savaient pas nager sont morts noyés. Pour expliquer assez simplement. Donc, avec cette sélection naturelle et le fait qu'il y ait différents milieux sur Terre, ben, on a vraiment une grande diversité. Après, je dois avouer que cette conférence, je l'avais faite pour la première fois. J'habite à Nice et mon député s'appelle Éric Ciotti. Il avait interdit une conférence sur l'immigration. Donc j'espère que vous n'avez rien contre l'immigration. Et je suis un peu facétieux apparemment. Donc du coup, j'avais fait une conférence où nous sommes des poussières d'étoiles. J'explique qu'il y a quelques millions d'années, l'être humain apparaît à la corne de l'Afrique. Et à partir de là, il y a beaucoup de migration. Donc d'abord, on va peupler, donc il y a 70 000 ans. Le sud de l'Afrique, c'est hyper complexe, mais on connaît en gros les migrations. Ensuite, on va peupler le croissant fertile, puis passer au niveau de l'Himalaya, descendre l'Australie. On fait un petit cours de géographie en même temps, qu'on pouvait traverser. Donc c'est le peuplement de l'Australie a eu lieu assez rapidement. Ensuite, ils vont remonter le Nil, et là, il y aura toute une colonisation de tout ce qui est vers la Chine, avec aussi une migration hyper intéressante vers les îles du Pacifique. Ça, c'est toute une histoire à raconter, la colonisation du Pacifique. Lors de la Russie, puis petit à petit, les gens vont aller vers l'ouest, peupler l'Europe, peut-être même le Havre. On va y arriver. On n'est pas très très loin. Donc il manque évidemment encore un... Oh, on est passé au sud du Havre, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont venus quand même. Donc ensuite, il va y avoir une migration. Il manque un continent, je pense que si vous êtes... Pas trop, vous n'êtes pas américain, donc vous devez connaître un peu la géographie. Donc, il y a la dernière migration qui va traverser le détroit de Bering. Ils ont pu traverser le détroit de Bering sans trop de problèmes et ça a peuplé l'Amérique depuis le nord jusqu'au sud. Donc la conclusion que j'avais faite de cette conférence était de dire que si vous n'étiez pas né en Afrique, vous étiez forcément des descendants de migrants. Tout le monde n'avait pas apprécié, mais bon, j'aime bien parler de faits scientifiques. Donc, pour finir, j'aimerais bien faire une petite chronologie de l'univers. Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers commence avec le Big Bang. Donc il y a 13,4 milliards d'années, on forme les premières galaxies, dont la Voie lactée. Donc s'il y a une chose à retenir de la conférence, ça va être ça. Donc retenez bien. Il y a 4,6 milliards d'années, on forme la Terre. La vie apparaît assez rapidement. Donc 600 millions d'années après la formation de la Terre, la vie apparaît. Par contre, la vie multicellulaire, la vie complexe, elle met vraiment beaucoup de temps à venir. Elle a apparu il n'y a que 600 millions d'années. Donc il a fallu presque 4 milliards d'années pour que la vie devienne complexe. Et il y a quelques millions d'années, les premiers humains apparaissent. Donc là, je vous ai parlé de milliards d'années, de millions. C'est assez compliqué. Enfin, c'est assez difficile de s'imaginer. Donc imaginons l'univers à un an. Donc on va résumer 13,8 milliards d'années d'évolution en un an. 1er janvier, c'est le Big Bang. J'aime bien expliquer à mes étudiants, le mal de tête, ça vient de là. Début février, on forme les galaxies, dont la Voie lactée. Vous voyez, c'est assez rapide. À la mi-août, on forme le système solaire. En France, on ne fait pas grand-chose, mais là, on forme le système solaire. Début septembre, c'est l'apparition de la vie sur Terre. Vous voyez, la vie apparaît vraiment très vite. Mais l'explosion cambrienne, vraiment le fait que la vie devienne complexe, il faut attendre la mi-décembre. Les premiers hominidés débarquent le soir du 31 décembre. La civilisation humaine, elle commence le 31 décembre, 30 secondes avant le minuit. Les mecs, ils arrivent avec leur fauteuil champagne. C'est juste pour vous montrer, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que la civilisation humaine, elle n'est pas là depuis longtemps. Et pourtant, elle a foutu un sacré bordel. Donc là, on a vu notre place dans le temps. Maintenant, voyons notre place dans l'espace. Et je pense que ça doit rendre humble. J'aime bien imaginer un facteur intergalactique qui va distribuer du courrier. Je pense qu'on a tous fait ça. On envoie une carte postale à notre grand-mère, on écrit France, on souligne trois fois, c'est pour être sûr que ça arrive. Ben, un facteur intergalactique, il faudrait lui dire qu'on est sur Terre, et que la Terre, c'est une des planètes du système solaire qui tourne autour du Soleil. Terre, système solaire. Mais le système solaire, c'est juste les planètes autour de l'étoile, le Soleil,
c'est une étoile comme les autres parmi celles du voisinage solaire. Et les étoiles du voisinage solaire, c'est juste un tout petit bout de notre galaxie, la Voie lactée, qui en contient plus de 100 milliards, sûrement 200 milliards. Donc déjà, il faut être un peu précis pour le facteur. Mais continuons. La Voie lactée, c'est l'une des 80 galaxies du groupe local de galaxies. C'est l'une des plus grandes avec Andromède. Voilà, on est juste une galaxie comme les autres. Et le groupe local de galaxies, c'est juste un tout petit morceau du super amas de galaxies de la Vierge. Et le super amas de la Vierge, c'est juste un tout petit bout des super amas locaux. On est encore en local, là. Et les super amas locaux, c'est qu'un tout petit morceau de l'univers observable qui mesure 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Je pense que ça rendra humble. Enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans le temps, l'être humain vient d'arriver, et dans l'espace, on n'est vraiment rien. Donc je vais finir par la conclusion que j'ai pour toutes mes conférences. Pour ceux qui me connaissent, ils voient peut-être le slide venir, mais c'est que notre planète, c'est la seule connue avec de la vie intelligente, entre guillemets quand même. Donald Trump a été président des États-Unis, donc c'est pas complètement intelligent. C'est aussi la seule planète avec les crêpes de ma mère, vous ne connaissez pas, mais je vous recommande, et de la bière, alors prenons soin d'elle. Merci beaucoup. Venez donc prendre place sous les applaudissements mérités pour cette conférence absolument passionnante. C'est vrai que c'était un pari hein, de nous emmener du début du Big Bang jusqu'aux origines de la vie. Il y a des choses, je me suis demandé, alors on va faire circuler un micro hein, pour que vous puissiez poser des questions. Vous avez dit assez rapidement, sur Terre, la vie est apparue une fois. Est-ce qu'on est sûr de ça? C'est-à-dire qu'on sait que la... Alors, vous n'êtes pas non plus biologiste, hein, donc je ne veux pas non plus vous coincer. On sait que la vie est apparue au moins une fois et que ça a débouché sur toutes les formes de vie sur Terre aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des essais qui ont avorté un peu de temps après, avant? On ne peut pas être sûr, dans la mesure peut-être qu'on va trouver des formes de vie différentes qu'on ne connaissait pas. Mais si tout ce qu'on regarde, tout le vivant qu'il y a, si on l'analyse, on voit vraiment que c'est la même source, c'est vraiment la même structure. Donc, tout semble indiquer que ce soit apparu qu'une seule fois. D'accord. Donc, effectivement, c'est... C'est pas si évident que ça. Vous, c'est plus de l'ordre de l'intuition. Votre intuition, c'est que sur les autres planètes qui tournent autour de lointains soleils, il y a quelque part d'autres formes de vie où vous ne mettriez pas votre main. C'est une excellente question. Moi, je vais répondre en tant que scientifique. Ce que je peux vous dire, c'est que jamais je vous dirai qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Ouais. Si on n'en a pas trouvé, c'est peut-être qu'on a mal cherché. Mais par contre, je vous dirai qu'il y en a que le jour où je suis sûr qu'il y en a. Après, je passe 50% de ma vie en chercher, donc je me dis, ouais. Je ne suis pas complètement con non plus. C'est ça. Si je cherche, c'est que je me dis qu'il y a de grandes chances. Mais comment avoir une meilleure idée de si c'est vrai ou pas, enfin, s'il y a de la vie ailleurs? En fait, il faudrait trouver un autre endroit où il y a de la vie. Mm. Donc aujourd'hui, on n'a qu'un seul endroit où la vie est apparue, donc faire des statistiques avec un point, ça ne marche pas très bien. Vous savez toutes et tous qu'il y a des robots qui roulent sur Mars en ce moment, que sur Mars, il y a des traces, qu'il y a eu de l'eau, qu'il y a eu pas mal de choses. Si demain... un de ces rovers trouve des traces de vie sur Mars, pour moi, c'est la plus grande révolution scientifique. C'est-à-dire que si on montre qu'il y a eu de la vie qui est apparue sur Mars, ben, la vie est apparue deux fois dans le système solaire. Dans notre galaxie, il y a 200 milliards d'étoiles. Autour de chaque étoile, statistiquement, il y a au moins une planète. Donc il y a des centaines de milliards de planètes dans notre galaxie. Si on se rend compte que c'est facile que la vie apparaisse, ben là, ouais. Ça veut dire qu'il y en a partout. Là, ça veut dire qu'il y en a partout. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc on cherche, il y a Mars, il y a des différentes lunes de Jupiter et de Saturne où on pourrait trouver des formes de vie. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, astronomes, on développe des technologies qui permettent de chercher ces traces de vie. Donc déjà, qui était né en 95 ici, si on fait un concours de cheveux blancs? Oh là là, tant que ça. Donc vous, quand vous étiez né, on ne savait pas qu'il y avait des planètes autour d'autres étoiles. Toutes les autres personnes, c'est arrivé après votre naissance. C'est un des trucs qui me fait sentir vieux quand je donne des cours, quand je demande à mes étudiants qui était né en 95. Maintenant, je ne demande plus parce que... Mais c'est ça. Mais en 95, pour la première fois, on a trouvé une planète autour d'une une étoile similaire au Soleil. Donc, avant 95, on ne savait pas que ça existait. Depuis 95, on a trouvé 5500. Et aujourd'hui, on sait qu'il y en a partout. Donc c'est vraiment une grande révolution. Et on développe des technologies qui permettent non seulement de détecter ces planètes, mais aussi d'analyser leur atmosphère. Et là, tout à l'heure, je ne me suis pas beaucoup mouillé avec les 5 milliards, mais là, je vais vous dire que je pense que si, d'ici 20-30 ans, on sera capable de développer des technologies qui seront capables de déterminer si une planète comme la Terre existe à moins de 100 années de lumière de nous, on sera capable non seulement de la détecter, mais d'analyser son atmosphère et de voir s'il y a de la vie dessus. Mmh. Je ne suis pas en train de dire qu'on va trouver de la vie, je suis en train de dire que s'il y a de la vie dans un rayon de 100 années de lumière, on devrait être capable de le faire. Et je pense que
encore une fois, on a de la chance d'être une génération qui vit des choses extraordinaires. Bon, extraordinaires dans un sens, on va peut-être découvrir de la vie sur notre planète, mais on va peut-être détruire la vie sur la nôtre. C'est tout le paradoxe. Voilà. C'est tout le paradoxe. Allez, des questions dans la salle. N'hésitez pas à vous manifester. Levez la main, on vous apporte le micro. Et quand vous avez le micro, levez-vous et on vous écoute. Allez-y, madame, bonjour. Oui, d'abord, merci pour votre exposé, c'était génial. Je voudrais revenir sur l'apparition en fait des premières poussières. Si j'ai bien compris, si j'analyse le truc et qu'on va un peu plus loin, les premières étoiles, il n'y avait pas de poussière, puisque les poussières viennent des étoiles. Alors là, je peux vous dire que votre question était exceptionnelle dans le sens. C'est l'œuf et la poule. Non, mais c'est exactement la question que je me pose au niveau de la recherche. Parce que l'idée, c'est que oui, les premières étoiles, il n'y a quasiment que de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, on ne devrait pas pouvoir former de la poussière. Mais là, ce que j'essaie de trouver, parce qu'en fait, on ne peut pas observer directement les premières étoiles. Donc, je suis en train de chercher des étoiles qui ressembleraient aux premières étoiles et voir quel type de poussière se forme. C'est des observations qu'on essaie de faire avec le télescope James Webb. On devrait avoir des observations d'ici un an. Donc la question est excellente, mais pour l'instant, on attend les observations. Donc si vous voulez nous aider à répondre à la question, les données vont arriver, on aura besoin de coups de main pour les analyser. Chaque étoile... Pardon, excusez-moi. Je disais rendez-vous dans un an. Alors. Voilà. Voilà, c'est ça, affaire à suivre. Chaque étoile, en mourant, donne un type d'atome, c'est-à-dire qu'on a l'étoile qui explose et hop, qui nous donne du carbone, ou à chaque fois, c'est un assemblage de différentes... C'est tout un mélange de carbone qui dépend de pas mal de choses. Là, je vais simplifier, mais en gros, les étoiles massives, elles vont former certains types d'atomes jusqu'au fer, puis en s'effondrant, elles vont en former d'autres. Mais après, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont doubles, donc les interactions entre les étoiles peuvent échanger des choses. Donc, chaque type d'étoile va former 10-15 atomes différents. Et alors, pour être précis, les atomes qui nous constituent tous, nous, dans cette salle, ils proviennent tous d'une même étoile ou d'un maelstrom? Est-ce qu'on a une idée de quand ça a eu lieu et de... Est-ce que ça vient des quatre coins de l'univers? Est-ce que ça vient de trois étoiles en particulier? Déjà, ce qui vient en nous, quasiment tout l'hydrogène vient du Big Bang. Donc l'hydrogène en nous a 13,8 milliards d'années. On a des choses en nous qui ont 13,8 milliards d'années quand même. Ça fait un bien conservé, finalement. Ouais, finalement. Mais le reste, tous les atomes viennent de différentes générations d'étoiles, parce que les étoiles massives vont mourir en premier, donc elles vont former un certain type d'atomes, puis après il y en a d'autres qui vont... Donc, on a eu besoin de deux ou trois générations d'étoiles qui se sont mélangées, enfin des produits de deux ou trois générations d'étoiles qui se sont mélangées pour former le Soleil il y a 4,6 milliards d'années. Donc, l'ordre de grandeur, combien d'étoiles ont fait ce que nous sommes? Un milliard d'étoiles? Non, pas de... Trois étoiles? Des milliers. Des milliers d'étoiles. Ah oui, nous sommes des poussières de milliers d'étoiles. Y a-t-il d'autres questions? Oui, merci beaucoup parce que c'était vraiment passionnant. Je m'intéresse justement à cette... j'aimerais comprendre les éléments plus lourds que le fer. Par quel mécanisme ils ont été formés? C'est quoi? C'est des captures de neutrons? C'est quoi? Il y a des captures de neutrons. Désolé pour les gens qui... Ouais. on va rentrer dans les détails, mais en gros, il y a différents types de captures de neutrons et de protons. Et c'est des différents processus qui vont avoir lieu soit par fusion d'étoiles à neutrons, soit dans les couches au-dessus de là où il y a eu des réactions avant, ou alors dans l'effondrement d'une supernova. Et ça, on connaît la proportion d'étoiles qui donne ça? Je ne l'ai pas là, mais c'était le tableau de Mendeleïev que j'avais montré. Il y a deux équipes, deux écoles, ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais commencent à avoir vraiment une très bonne idée de ce qui se passe. Et là, pour raccrocher un petit peu à tout le monde, il y a un truc assez exceptionnel qui a été fait récemment. C'est, vous avez sûrement entendu parler de la première détection d'ondes gravitationnelles. Qui l'a déjà entendu? Qui a tout compris? En fait, c'est quelque chose... Il y a quelqu'un qui a tout compris là-bas, ou alors il s'est endormi en levant la main. Ce qui est assez extraordinaire, c'est, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est en train de vivre une nouvelle révolution, c'est-à-dire que... Il y a 500 ans, quand Galilée pointe sa lunette vers Vénus, vers Jupiter, vers la Lune, on a une nouvelle façon d'observer le ciel. C'est une révolution. On voit des lunes qui tournent autour de Jupiter. On voit vraiment plein de choses. Ça commence. C'est un début de révolution. Et depuis, tout ce qu'on a appris sur l'univers vient de la lumière. Enfin, 99,9% de ce qu'on a appris venait de la lumière. Donc, il a fallu 5 siècles pour arriver là où on est aujourd'hui. En 2014, pour la première fois, on détecte des ondes gravitationnelles. Donc c'est en gros deux trous noirs qui sont rentrés en fusion. En une fraction de seconde, ça a généré autant d'énergie que toutes les étoiles de l'univers.
ça a été détecté, ça a fait une variation, juste pour que vous vous rendiez compte. C'est comme si on avait mesuré la distance de la Terre, entre la Terre et la Lune au cheveu près. Donc la variation qu'on a pu mesurer, c'est quelque chose d'un milliard de fois plus petit qu'un atome. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'espace-temps, c'est déformé. Déformé, mais de un cheveu par rapport à la distance. Par rapport à la distance de Terre-Lune, c'est vraiment... Et ça, on a réussi à le mesurer. On a réussi à le mesurer. C'est fou. Et ça, c'était la première fois, c'était deux trous noirs. Et deux ans plus tard, ou trois ans plus tard, il y a deux étoiles à neutrons qui ont fusionné. On a détecté les ondes gravitationnelles. Et là, tous les astronomes étaient prêts. On a pointé tous les télescopes du monde vers l'endroit où ça a été observé. Et ce qu'on a vu ce jour-là, c'était vraiment, pour moi, c'était l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues en astronomie. C'est qu'on a vu en direct des atomes se former. Donc on a eu l'avertissement, attention, ces étoiles sont en train de fusionner. On a pu observer, prendre des spectres, donc décomposer la lumière qui venait de ces deux étoiles qui sont en train de fusionner. Et on a vu tous les jours des nouveaux éléments qui apparaissaient, de l'or. Donc tout l'or qui est autour de vous vient d'étoiles comme ça, c'est ce qu'on appelle des kilonovas. Et pendant un mois, les astronomes ont observé ces trucs-là. On a vu en direct tous les atomes se former. Et ça avait été prédit par des théoriciens, par Margaret Burbidge, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est cette femme extraordinaire qui a fait plein de choses. Ben là, on a pu le confirmer. Et je trouve que c'est vraiment des moments assez extraordinaires à vivre. Ouais. Vous vivez vraiment l'âge d'or de l'astrophysique, hein, vous, nous avec vous, mais vous êtes aux premières loges, et vraiment, on va de découverte en découverte, on assiste. Peut-être que je découvre, pour moi c'est tout nouveau, je trouve ça exceptionnel. Ouais. Mais non, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance, qu'il y a des instruments extraordinaires, il y a pas mal de belles découvertes, et enfin, je pense que j'ai de la chance de travailler aujourd'hui avec des collègues assez extraordinaires aussi. D'autres questions dans la salle? On vous écoute. J'avais une question concernant l'âge de l'univers, ce fameux 13,8 milliards d'années. Si on suit le raisonnement de M. Lemaître, c'est donc comme on observe l'expansion et qu'on remonte le temps, bah, l'univers se rétrécit jusqu'à devenir tout petit, infiniment petit, comme vous l'avez dit. Par contre, ça marche si on peut voir un objet de taille finie, en fait. S'il a une grande taille, et on peut dire qu'il peut atteindre une toute petite taille. Sauf que ce bord de l'univers, on ne le voit pas, enfin, on ne l'a pas encore observé. Il y en a même des gens qui supposent qu'il est infini. Alors, un univers infini qui se contracte, en fait, il se contracte indéfiniment. Ouais, comment on peut donner cet âge de 13,8 milliards d'années ? Si on prend la taille de l'univers observable, on arrive à un début quelque chose qui semble être le début de l'univers. Et c'est encore la question, est-ce que c'est vraiment le début de l'univers ? On ne va pas rentrer dans des questions philosophiques, mais c'est les débuts de notre univers observable, en tout cas. Et ça, c'est aussi un truc qui surprend les gens en général. Donc, l'univers a 13,8 milliards d'années, mais l'univers observable, donc c'est... Pour que ce soit observable, il faut que la lumière ait le temps d'arriver. Ouais. Donc les gens ont tendance à dire que ça va faire 2 fois 13,8 milliards. Donc ça fait combien ? 26, 27, voilà, voilà. On va dire 27 quelque chose. Non, l'univers observable fait 93 milliards d'années-lumière. Ah, alors oui. Pourquoi ? Si vous voyez une galaxie dont la lumière a mis 13 milliards d'années à arriver sur votre télescope, cette galaxie, elle s'est éloignée depuis. Elle n'est pas à 13 milliards d'années-lumière, elle est bien plus loin. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Quand vous voyez les images du James Webb, on voit la lumière a mis 13 milliards d'années à venir. Il ne faut pas dire qu'elle a 13 milliards d'années-lumière. Il faut dire que la lumière a mis 13 milliards d'années à venir, parce que la galaxie s'est éloignée depuis. Oui, c'est ça. Tout bouge. Et en plus, nous, on a tendance à se figurer ça dans l'espace, mais en fait, c'est un espace-temps, en plus, qui se distord et qui se courbe. Vous, tout ça, vous le figurez, vous le concevez ou vous le mettez en équation et vous voyez ce qui sort? Je pense que si je vous dis oui, vous allez avoir peur de savoir ce qui se passe dans ma tête. Bah oui, enfin, ça, en même temps, je serais envieux. Je me dirais, il a accès à une dimension qui m'échappe totalement. Ben, on s'habitue, on va dire. Oui, donc quand même, ouais, il voilà. Y a quelque chose que vous percevez. Ah ben alors, ça m'intrigue. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des scanners pour les cerveaux? Ça, est-ce qu'on peut autopsier ce monsieur tout de suite? Levez-vous pour qu'on vous voie, s'il vous plaît. Merci. Avant les ondes lumineuses, qui, elles, ont 300 000 ans, il y avait les ondes gravitationnelles. Donc on devrait pouvoir voir avant et plus près du début de l'univers. Exactement. Et ça c'est un... Donc l'idée, c'est que vous avez montré tout à l'heure la première image de l'univers, donc qui est, comme disait monsieur, 379 000 ans. Parce que jusque-là, l'univers était tellement dense qu'il était opaque aux ondes lumineuses. Mais avant, les ondes gravitationnelles ont pu s'échapper avant. Pour l'instant, les détecteurs d'ondes gravitationnelles ne sont pas capables de détecter ces ondes primordiales. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Et là, il y a un grand projet qui s'appelle LISA. Donc, les Français ont d'ailleurs une responsabilité assez importante dans cette mission spatiale. Là, on va faire des... Donc, comment on a détecté les ondes gravitationnelles? Vous ne m'avez même pas posé la question. Donc, comment on a détecté les ondes gravitationnelles? On a formé deux grands interféromètres. Donc, c'est des bras qui font 2-3 km de long. Et on fait interférer la lumière, ce qui fait qu'il faut qu'on connaisse la distance, la longueur de chaque bras de manière très précise.
Si une onde gravitationnelle passe, elle va déformer un bras et pas l'autre. Donc ça va décaler un petit peu cette longueur, et ça, on va pouvoir le mesurer. Donc pour mesurer les ondes gravitationnelles qu'on a découvertes, 2 km, ça suffit. Pour celle du Big Bang, enfin celle juste après le Big Bang, il faut des trucs plutôt, c'est du centaine de milliers ou du million de kilomètres. Donc là, c'est compliqué à faire sur Terre. Bah déjà, 2 km sur Terre, c'est balèze. Hein. Pour voir l'épaisseur d'un cheveu qui bouge, c'est balèze. Cela dit, j'ai peut-être une solution pour votre histoire d'interféromètre d'un million de kilomètres. Et si on mettait en orbite des satellites qui pourraient... Là, la taille de l'instrument, c'est ce qu'on veut. Après, il faut réussir à ce qu'il soit super proche. Je n'ai pas inventé l'idée. Non, j'allais dire, l'idée est excellente, et d'ailleurs, elle a déjà été... Et c'est ça qui... J'ai un peu triché, j'avoue. Donc, c'est l'idée de Lisa, et quand... Dans quelques années, vous allez entendre parler du lancement de cette mission. J'espère que vous vous rappellerez de ça. Et peut-être que vous aurez la chance de voir la détection de ces ondes gravitationnelles primordiales. Donc c'est possible. On l'envisage et ça, a priori, ça va marcher. C'est possible. Je peux raconter une anecdote personnelle. C'est que je travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur où depuis 1998, des gens se sont installés pour travailler sur ces détecteurs. Et quand on les a vus arriver, moi j'étais en 2001... Pour être franc, on se moquait un petit peu d'eux. On se dit, mais vous êtes vraiment fous. Moi déjà, je suis fou, mais vous êtes complètement barge. Et à un moment, on leur disait, il y avait un copain qui me disait « j'analyse mes données ». Je fais « non, ce n'est pas des données, c'est du bruit ». Donc on se moquait de lui, puis on se moquait de lui un peu tous les jours. Puis à un moment, quand on s'est moqué de lui, il a ri comme ça, genre un petit truc. Hein. Et puis à un moment, vous avez trouvé quelque chose, j'ai pas le droit de vous le dire. Bon, ok, si tu n'as pas le droit de nous dire, ben, c'est que tu as trouvé quelque chose. Et donc là, ça a été vraiment une aventure assez extraordinaire. Ça a conduit Alain Brillet, notamment, qui a eu la médaille d'or du CNRS, qui est comme la plus haute distinction scientifique française. Et c'était un beau moment à vivre. Moi, c'est ça que j'adore aussi dans le milieu de la recherche, c'est que nous, on a tous une contribution qui est négligeable. On fait tous des petits travaux. D'ailleurs, ce festival qui s'appelle Sur les épaules des géants l'explique bien. C'est que c'est toute une communauté qui travaille, chacun répond à des petites questions, puis tous ensemble, on arrive à travailler. Et c'est pour ça aussi que, tout à l'heure, je vous parlais d'inclusion. On essaie de... Je réponds à des questions qu'on ne me pose pas. Pour moi, on me laisse parler, donc je parle. Oui, mais non, on a une minute, si vous voulez encore une question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des questions hyper complexes. Et ben, si on veut répondre à des questions complexes, on a besoin de tout le monde. Donc, ça serait dommage de se priver de 50% de la population. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler qu'on a besoin de tout le monde. Allez, on vous en pose ici, dans cette salle, des questions. On vous écoute. La question que j'avais, c'était, est-ce qu'avec les outils de nos jours, on peut savoir la masse exacte ou pas de la poussière de lune, ou on ne peut pas encore la définir ? De la lune, vous voulez dire ? De la poussière d'étoiles. Les poussières d'étoiles. Je pourrais vous dire oui. Enfin, moi, j'ai assez confiance en ce que je fais, mais après, c'est... pour entrer dans les détails, si on observe une étoile, comment on va mesurer la masse de la poussière qu'il y a autour ? C'est qu'on va regarder comment la lumière de l'étoile interagit avec la poussière. Donc pour ça, on va modéliser de la poussière en laboratoire et voir, connaître des propriétés de la poussière. Si j'étais de mauvaise foi, je pourrais vous dire qu'on le connaît très bien. Mais comme je suis assez honnête, je veux dire qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire. Donc je vois que tu es jeune, si tu ne sais pas quoi faire, mesurer les propriétés optiques de la poussière, ça serait hyper intéressant pour pouvoir justement déterminer la masse de la poussière autour des étoiles. Mais dans les articles, je dis avec plein de confiance que ça marche, mais je suis convaincu qu'il y a encore du boulot. Une dernière question avant de vous laisser filer, Éric Lagadec. S'il y avait une chose que vous aimeriez voir de votre vivant, une chose qu'on ne sait pas encore, que l'on n'a pas encore découvert, ce serait quoi ? C'est pas une chose qu'on n'a pas découvert, mais c'est une chose qui, je pense, ferait regarder toute l'humanité ensemble vers le ciel. C'est une supernova dans la galaxie, visible à l'œil nu en plein jour. Donc si une supernova explose, comme c'est arrivé en 1054, on verra... Ça, c'est la mort d'une étoile. D'une étoile massive qui explose, qui n'est pas trop loin. On la verra en plein jour. Je ne sais pas si vous imaginez, en plein jour, il y aurait une étoile dans le ciel. Et la nuit, une nuit sans lune, ça serait aussi brillant qu'une nuit avec lune. On pourrait lire un journal à la lumière de, par exemple, si Betelgeuse explose demain, on pourrait... lire le jour, je ne sais pas comment on appelle le journal au Havre, mais on pourrait lire ce journal de nuit sans lune. Ça durerait combien de temps, la supernova dans le ciel, en plein jour ? Ça dépend de la distance, mais quelques jours, quelques semaines. Ouais, un phénomène. Et par le passé, des êtres humains qui, évidemment, ne savaient absolument pas à quoi ils avaient affaire, ont eu ça dans le ciel, sous les yeux, pendant plusieurs semaines. La plus impressionnante, c'était en 1054. Ça a été étonnamment observé en Chine et pas en Europe. Et moi, ma théorie, c'est qu'en Europe, je pense qu'il y avait un petit combat entre les Anglais et les Français. Donc avant la Coupe du Monde du rugby, c'est comme c'est ce qu'on faisait. Donc heureusement qu'aujourd'hui, on a inventé le rugby, ça permet d'éviter de se taper dessus avec les Anglais. Et ce qui est génial, c'est que si ça arrivait, on ne le verrait pas venir, en fait. On ne sait pas quelle étoile pourrait partir en supernova. On a une petite idée. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement, mais moi, c'est une des choses sur lesquelles je travaille, c'est essayer de comprendre à quoi ressemblent les étoiles avant d'exploser en supernova pour justement pouvoir prédire quelle étoile va exploser en supernova.
Il y a une petite dizaine de candidats, donc chacun a son petite étoile favorite, mais je pense que si ça arrive, malheureusement, ça risque d'être dans l'hémisphère sud. Ah, bon, il faudra... Alors, du coup, et si c'est Betelgeuse, il ne faudrait pas que ce soit l'été, parce que l'été, Betelgeuse est derrière le soleil, on ne la verrait pas. Ah oui. Ça serait dommage. Bon, ça fait beaucoup de si. Merci à vous. Je précise que juste après cette rencontre, vous serez là pour une dédicace, pour signer votre ouvrage que vous venez de publier. Qui est sorti aujourd'hui. Qui est sorti aujourd'hui, grande première mondiale, voire... Intergalactique, n'ayons pas peur des mots, ici au Havre. Je ne crois pas qu'elle soit sortie dans d'autres galaxies. Cette... C'est ça le titre de l'ouvrage. C'est L'Odyssée cosmique, une histoire intime des étoiles. Je peux même vous montrer la couverture. Mais avec grand plaisir. Comme ça. Bah alors, voyons la couverture. C'était vraiment pas prévu. Pour la, voilà. pour la dédicace, c'est ici. Ah bah, voilà. Juste vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Voilà, tout le monde la voit. On va vous applaudir pour la couverture du livre et pour la conférence. Merci, Éric Lagadec. Merci.